sur deux jeunes qui ont 20 ans et qui ont un parcours extraordinaire. Pierre Cabot a créé son association Dunker Damoclès. Il travaille à faire des maraudes auprès des sans-abri, plus de 200 000 repas par an. Et ça, il le fait depuis qu'il a 14 ans. Aurélien est un garçon qui est atteint de handicap, mais il a dépassé complètement cette difficulté et il en fait une force personnelle. Et c'est cette bonté-là dont il fait preuve lorsqu'il sert ce qu'il a appelé le café d'Aurélien au Jardin d'Arcadie, qui est donc une maison de personnes âgées de Maison Lafitte. Les personnes âgées sont très attachées à lui. En fait, moi j'ai une fierté de partager depuis ces 5 ans au service de la résidence des Arcadiens. J'ai envie de partager cette joie avec tous les résidents. Et c'est pas tous les jours qu'on est récompensé pour ce qu'on fait. Et c'est une fierté aussi envers les bénévoles, parce que moi je serais pas arrivé tout seul et je suis pas arrivé là où on en est aujourd'hui tout seul. Il y avait depuis des temps multiséculaires des gens qui disaient « tout est foutu, la jeunesse qui nous suit n'est pas à la hauteur, rien n'est plus faux ». Et je tiens à dire ici que nous avons une très belle jeunesse dont nous devons être très fiers.